Bonjour à toutes et à tous, et c'est Ramsiné. Aujourd'hui, non, vous ne rêvez pas. Ramsiné de retour, il a fini sa petite pause de 7 mois. J'avais pas trop l'envie de faire des vidéos, mais là, ça. Bon, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie d'en refaire une. Donc en plus, ça va faire 2 mois que j'ai emménagé dans ma maison. Donc, je voudrais vous montrer toute ma collection. Toute ma petite collection. Donc là, je vous la montre hein, comme ça. Et après, je vous montrerai plus en détail ma collection. Hop, mon coin figurine. Hop là. Et voilà. Donc, on va commencer par la collection Marvel pour ceux qui aiment bien les Marvel. Alors, pour commencer, on va commencer par le DVD de la saison 1 des Agents du Shield. Donc une série que j'ai toujours pas commencé. Qui me tarderait de commencer. Il me faudrait trouver les 4 autres saisons. Ensuite, deux Blu-ray achetés. Un acheté chez Noz et l'autre un cadeau de mon ami Tanguy. Qui a la chaîne La Crypte maintenant. Voilà les deux seuls Blu-ray que j'ai. Hein. Hop. Un petit hand spinner que j'avais acheté chez Wish de Captain America. Ouais, je sais. Hop, des petits pins de chez Disneyland. Une grande figurine pop de Hulk. Donc vous voyez par rapport à une petite, elle est beaucoup plus grande. Donc là, au-dessus, on va voir Thanos, Tony Stark, Captain Marvel et un autre Thanos. Avec le steelbook du coup de Iron Man. C'est un steelbook DVD, hein. Hop, la collection Altaïa. J'ai que deux numéros sur les 5, donc de Captain America et de Spider-Man. Hop là, donc après, on va encore avoir Captain America et Happy dans Spider-Man. Ensuite, la figurine collector de Spider-Man, le jeu sur PS4. Très très bon jeu, hein. Si jamais vous voulez le faire, allez-y, hein, foncez. Hop, ensuite, on va avoir tous les DVD. Mis en ordre chronologique Marvel, hop, jusqu'au dernier du coup, Far From Home, avec ensuite les coffrets de les phases. Donc la phase 1, j'ai enlevé la figurine, hop, la phase 2, phase 3 partie 1, et ce que j'ai eu à Noël, la phase 3, pardon, partie 2. Hop, alors, comme vous avez pu voir, j'ai la figurine pop de Galactus et de MODOK du jeu Avenger que j'ai eu aussi en cadeau par ma copine. La petite figurine Groot, ça fait un moment que je l'ai celle-là, ça doit faire plus de 3 ou 4 ans que je l'ai eu dans une. Comment on appelle ça? Woodbox. C'est très vieux, hein. J'ai arrêté d'en commander. Depuis, hop là, le DVD de Stan Lee, Les Mutants Monstres Marvel. R.I.P. Stan Lee qui nous a quittés. Hop, ensuite on va avoir derrière les figurines, je vais vous les montrer après, mais derrière les figurines vous avez un bloc, donc acheté, bah ma copine l'a acheté chez Zavi, et en fait ça fait Marvel, vous voyez. Hop là, et du coup bah, j'ai voulu les mettre entre tous mes films Marvel, forcément, avec deux petites figurines, T'Challa pareil. Qui nous a quittés l'année dernière et M'Baku. Hop, et RIP. Hein. Ensuite, nous allons avoir. Je sais plus son nom. Young Rogue, donc dans Captain Marvel, suivi de Talos, Nick Fury, Crossbone et Red Guardian dans Black Widow, qu'on attend toujours du coup sa sortie au cinéma. Qui a été encore repoussé. Plus le film que j'ai regardé la semaine dernière, Les Nouveaux Mutants. Donc un très très bon film. Hein. Franchement, pour ceux qui veulent le voir, hop là. The New Mutants. Hop. Je vous donne le synopsis. Voilà, franchement très 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 bon. J'ai beaucoup aimé. La première fois, je l'avais regardé, j'avais été le voir au cinéma. Mais tellement qu'il est sombre et tout, bah, je m'étais endormi devant. Avec la journée de boulot et tout. Et là, bah, du coup, je l'ai regardé, franchement, nickel, quoi.
Hop, ensuite on va repasser sur un cadeau de Noël encore. Donc ça va être la figurine de Spidey avec Venom. Franchement, elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Voilà, cadeau de Noël aussi de ma chérie. Hop, franchement, hyper belle. Et mon petit plaisir que j'ai trouvé sur Vinted à 25 euros. Hop, la scène de Captain America, The First Avenger. Il est excellent ce film. Donc avec Red Skull et bien entendu Captain America. Et deux petits jouets de Avenger que ma copine avait acheté aussi en magasin, Super U, je crois. Et le petit livre devient un héros de chez Leclerc, où il faut collectionner 144 cartes. Donc du coup j'ai toute la collection, hein, j'ai tout eu. Donc voilà. Donc ensuite je vais vous montrer une autre petite partie, donc la partie haute du coup de mon étagère. Donc comment on peut dire ça? Un tout petit totem de Marvel que j'ai eu de chez Leclerc. En suivi, on va voir la figurine de Spider-Man avec la BD de Spider-Man Homecoming. Il me faudrait l'autre collection que j'ai acheté chez Cultura. Hop, le petit Olaf de la Reine des Neiges avec Elsa. Mufasa dans le Roi Lion avec Simba. Simba ou Nala, je sais plus. Je crois que c'est Nala. Hop, avec suivi de la figurine de Mickey Mouse. Et en compagnie de Fourchette. Très belle la petite Fourchette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, hein, mon personnage préféré des Disney Pixar, il s'agit de Woody dans Toy Story. Franchement, j'adore ce. Pardon pour parce que je bouge, hein, je filme avec mes mains. Alors c'est vraiment mon personnage préféré, Woody. Donc j'avais été à Disneyland l'année dernière et du coup j'avais acheté la Woody officielle. Voilà. Franchement, trop belle avec le petit Andy sous son pied. Hop là. Donc vraiment mon personnage préféré. Hein, c'est vraiment. J'adore. Et voilà, donc du coup c'était tout pour cette petite vidéo. Elle dure pas très très longtemps, mais c'est histoire que je me remette bien dans le bain. Donc voilà. Hop, et là vous avez un coffret collector de The Walking Dead que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Ça va être la partie 2 du coup de ma collection. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner. Et nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!